Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Eben-Ézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siègent sur les chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ovni et Pinhas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent, « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors, ils eurent peur et ils se disaient, « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent, « Malheur à nous! Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? » Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livraient bataille, Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinhas, moururent. Méditons le psaume 43. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur, notre misère. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et,
tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, à vous tous qui êtes maintenant des fidèles auditeurs de notre belle émission quotidienne de lecture et de commentaires de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous délivre un message important sur quel est le type de relation qu'il veut avoir avec nous. Est-ce, mes frères et sœurs, une relation d'extériorité, une relation du faux semblant, une relation de l'hypocrisie? Ou est-ce une relation authentique, une relation honnête, une véritable relation? La réponse est bien sûr contenue dans la question que je viens de nous poser. Voyez-vous, dans la première lecture, tirée toujours du livre du prophète Samuel, nous voyons comment Dieu laisse son armée, l'armée d'Israël, se faire battre, se faire massacrer par l'armée des Philistins. Ainsi, avec le psaume 43 de ce jour, on pourrait crier vers le Seigneur en disant « Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. » Eh oui, mes frères et sœurs, si nous n'avons pas une relation authentique avec le Seigneur, une relation vraie avec le Seigneur, une relation honnête avec le Seigneur, alors il se trouvera que dans des situations de combat, dans des situations de lutte, de bataille, le Seigneur nous laisse à la merci de l'ennemi. Et nous savons que le plus grand ennemi, mes frères et sœurs, c'est le péché. Nous savons la lutte que chacun et chacune d'entre nous mène au quotidien contre les tentations, comme toutes sortes de propositions malsaines venant du diable, qui vient toujours nous tenter, nous inspirer le mal, et nous devons lui résister. Mais comment pourrons-nous résister au diable? Comment pourrons-nous résister aux tentations si nous ne cultivons pas une relation honnête, authentique, docile, obéissante, silencieuse envers notre Dieu? C'est ce qui fait que le peuple d'Israël aujourd'hui est battu. Dans sa défaite, il se replie et croit que le fait d'aller prendre l'arche de Dieu et de le mettre au devant de la scène va le protéger. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur n'est pas un pot de fleurs. Le Seigneur n'est pas un porte-étendard. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qu'on va récupérer comme un objet, comme un gris-gris, et placer devant soi, devant l'ennemi, alors que nous n'avons aucune relation avec lui, alors que nous sommes ses premiers infidèles, ses premiers opposants. Non, mes frères et sœurs,
Telle n'est pas la relation que Dieu veut avoir avec ses enfants, avec ses fils et ses filles précieusement aimés. Non, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut une relation docile, une relation de créateur à créature, de père à fils et à fille, d'amoureux à bien-aimé. Il veut qu'on lui fasse confiance, pas seulement au moment de la bataille, au moment de l'épreuve, mais en toute situation. C'est la raison pour laquelle le peuple philistin aujourd'hui regagne du courage et fonce sur le peuple d'Israël, le vainc, le chasse et récupère même l'arche de l'alliance qu'ils ont sortie, croyant qu'elle les protégera. C'est la situation de chacune de nos vies, mes frères et sœurs. Dans l'intimité de nos journées, dans laquelle le Seigneur attend chacun et chacune d'entre nous, il se peut que nous lui soyons infidèles. Le Seigneur nous attend dans la prière quotidienne, la prière matinale, la prière au milieu du jour, la prière du soir avant de se coucher. Le Seigneur nous attend au moment de grandes difficultés, au moment d'agir, au moment de mettre en exergue toute entreprise, toute forme d'œuvre, d'ouvrage. Le Seigneur attend de nous qu'on le consulte, qu'on lui demande si ce que nous sommes sur le point de faire est une bonne ou une mauvaise entreprise. Si à ce moment particulier, privé, secret, que nous devons parler à notre Dieu et recevoir de lui tout l'amour et toutes les grâces qu'il veut nous donner. Mais non, nous, parfois, nous refusons de lui être fidèles dans le secret et faisons montre d'une relation avec lui en public. Voilà un homme qui refuse d'accorder 5 minutes avec le Seigneur dans sa vie privée, mais qui proclame ouvertement devant ses frères et ses sœurs que Dieu a fait des merveilles dans sa vie, que Dieu l'aime, que Dieu l'a sauvé et qu'il lui rend grâce pour tout bien. Non, mes frères et sœurs, cela est appelé de l'hypocrisie. Cela est une attitude malhonnête. Comment sommes-nous capables de louer le Seigneur en public, de lui faire un grand éloge public, mais de ne pas lui accorder le petit temps qu'il attend de chacun et de chacune d'entre nous dans le privé? Voilà une femme qui a proclamé la gloire de Dieu en public, qui a fait un grand témoignage de la vie qu'elle mène avec le Christ en public, mais juste après son témoignage, le pauvre vient lui tendre la main pour demander un petit bout de pain et elle tourne le regard. Le même Jésus dont tu as proclamé la gloire dans une prière entre guillemets puissante, c'est ce même Jésus qui, au sortir de la messe, au sortir de l'église, au sortir de la paroisse, au sortir de ta maison, te tend la main dans le visage d'un pauvre misérable, dans le visage d'un enfant, dans le visage de quelqu'un qui est démuni. Et nous, pour la plupart du temps, nous lui tournons le visage. Et même pour les plus aguerris, nous les rejetons, nous les injurions, nous leur disons « allez chez vous, vous me dérangez ». On se plaint quand le Christ vient, mais on aime bien parler du Christ devant nos frères et sœurs. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont parfois désobéissants. Comme on peut le voir dans l'évangile de ce jour, où le Seigneur, qui a donné la grâce de la guérison à ce lépreux, voit comment ce lépreux lui désobéit. Le Seigneur lui dit bien, « Attention, sois silencieux, ne dis rien à personne à propos de ta guérison, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. » Cela sera pour les gens un témoignage. Voilà le témoignage que je veux, l'obéissance. Voilà le témoignage que je veux, la docilité à mon commandement. Mais malheureusement, cet homme se met à proclamer ouvertement et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville.
Voilà comment nous mettons à mal le Seigneur, alors qu'il veut qu'on suive un processus de guérison corporelle, mais surtout un processus de guérison spirituelle. Avant de proclamer ouvertement ta guérison en public, vérifie d'abord que tu es bien guéri spirituellement dans ton âme. Vérifie d'abord si ta relation avec le Seigneur est déjà authentique, est déjà aguerrie, est déjà solide, capable de produire des fruits de conversion pour les autres, tes frères et tes sœurs. Ne proclame pas directement la gloire de Dieu au risque de te fourvoyer et déjà de tomber dans les mêmes tentations, dans les mêmes péchés desquels le Seigneur t'a délivré. Mes frères et sœurs, que le Seigneur accorde cette prudence évangélique, ce silence évangélique et cette capacité d'action évangélique et d'obéissance à chacun et à chacune d'entre nous. Amen.